Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 334 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui un jeu qui s'appelle Chariot. Dans le doute, oula putain, j'ai pas eu le temps de voir le chargement. Et on va jouer avec la manette, comme vous voyez, bouton rapport commencé. Et ben on va faire une nouvelle partie. Hop. Options. Alors qu'est-ce que j'ai dans les options? On peut jouer à deux joueurs par deux, apparemment. Player 1, player 2. Ouais, sous-titres, vibrations, blablabla. Pour l'instant le jeu semble joli, semble sympa. Je sais pas quel style c'est, mais ça semble sympa. Désolé, je suis un poil enrhumé. Un lanceur pour vous faire cacher la corde. Ok, on est sur de la plateforme alors. Ça fait quoi si je fais B tout le temps? Ok, ça retourne au dernier point de contrôle. Ok, je pousse un chariot. Admettons, j'ai un chariot, je suis dans la forêt. Là. Oh putain, on est deux? On est un? C'est quoi ce mec? Là, il y a une sorte de manette par terre. Présente. Chariot. Stop! Qu'est-ce que je fais ici? Ah! Je ne devrais pas être là-haut. On m'avait promis une grande lumière. Où est ma lumière? Vous pensez que ça, c'est une sépulture digne de ma statue? J'admets que les catacombes royales ne sont pas à deux pas du château, mais c'est ce que vous avez trouvé de mieux. Allez explorer les catacombes et trouvez-moi une sépulture digne de ma splendeur. Et remplissez-la de richesses. Donc en fait, on transporte un cercueil. Et donc le mec, il est pas content, il veut qu'on lui trouve un bon cercueil en gros. Là, on est en train de voir un aperçu du level dans lequel on va à l'intérieur, le vestibule boisé. Alors, faut le pousser, ça j'avais compris. Ok, donc c'est le chariot qui récupère les objets. Et hop. Et on peut le pousser. Non, non, non. Ok. Donc le but c'est de pousser un chariot, c'est... Enfin de pousser un... Le... Comment ça s'appelle? Le... La tombe, le cercueil du roi. Yep. Pour l'instant c'est... Voilà. Hein. On récupère des petits diamants. Et hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? On parie que c'est un point de sauvegarde ça. Ok. Ok, bon bah on continue à descendre. Ça va plus vite quand on se met sur le chariot. YOLO. Pour l'instant on descend. Rien d'extraordinaire, on a une touche Y, on pourra faire des choses, mais pour l'instant, il n'y a rien. Yop, yop. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire là-dedans? RT. Alors, RT. Désolé, je suis un peu... Ah, avec RT, je peux tirer le chariot. Trop bien. Hein. Ok, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je crois que si j'y vais... J'ai peur d'y aller. Allez, on y va. Soyons ouf. Yo.
Alors, en gros, ça c'est pour m'apprendre à retourner au point de contrôle. Donc, on va aller chercher ce petit crâne. Allez, vas-y, viens, viens, viens. Parce que c'est avec lui qu'on récupère. Flac. Et ensuite, on retourne au dernier point de contrôle. Mais on a quand même eu le petit crâne. Donc, ça c'est cool. Hop là. Alors, comment faire? On monte dessus. Quoi? Alors, viens avec moi. Allez, monte, ça va plus vite. Allez, monte. D'accord, faut s'en servir pour monter. C'est tout. YOLO. Et on redescend, c'est parti. On se croirait sur un manège. Et hop là. Y'a quelque chose à voir là-haut? Non, y'a rien à voir là-haut. Et c'est reparti pour un tour. On m'envoie un message. Je m'en bats les couilles. Yop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Oh non, non. Allez, remonte. YOLO. Je sais pas ce que ça lui fait quand on monte comme ça. Quand il retombe et que ça fait une sorte de coup. Allez, viens là. Yo. Et on est reparti. YOLO. Ouais, il aime pas quand il se prend des coups comme ça. Mais je sais pas ce que c'est, si ça lui fait vraiment quelque chose ou pas. Ah, ta mère. Allez, monte. Yo. C'est bordel quand même pour se balader avec ce cercueil. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Alors, juste en deux points, donc le mot, le jeu, il est joli. Il est franchement sympa à jouer. Franchement, je regrette absolument pas ce jeu. Hop. C'est franchement sympa. Yop. Et on a un checkpoint ici. Donc là, ils me disent bien de me mettre dessus parce que sinon ça va être un bordel. Sinon, il doit s'éloigner trop vite. Donc là aussi je suis en train de remplir, en termes d'or, je suis en train de remplir une sorte de réservoir. Mais j'imagine qu'au bout d'un moment... Bah il va être plein et que peut-être que ça entraîne quelque chose. Ok, faut que j'aille où là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah oui, d'accord, c'était là. Je comprenais pas, j'avais pas vu. Yep. En tout cas, le roi il s'en bat les couilles, il a un cercueil super solide.
peut le balader partout, lui retourner la tête, il s'en bat les couilles. Ah merde, faudrait monter là-haut. On s'arrête ici. J'ai trouvé une technique pour l'arrêter. Yo, ici. Yo, parce que c'est vraiment le chariot qui gagne tous les trucs, c'est pas les autres. Souvenir étrange, succès déverrouillé. Mais ça c'est bien ça. Hop, on remonte, il y avait plein de diamants. Ça valait le coup. Et on est reparti. Et oh, viens ici mon petit chariot. Tuc. Mais le putain, le concept, comment il est trop bien quoi. Je suis refait. Sans déconner, je vous incite à jouer à ce fucking jeu. Je sais pas comment il coûte. Je pense que je vais mettre dans les descriptions de vidéo, je vais vous mettre les liens des jeux sur Steam en tout cas. Spéléologue en herbe. Sortie trouvée. 1450 pièces, 3 crânes. Une récompense. Je vous offre ma gratitude. Mais c'est bien parce que les rois sont en français, donc on est tout de suite beaucoup plus familiarisé avec un jeu comme ça. Où sommes-nous ? Nous faisons du tourisme ? Ah oui, ça me revient. Je l'ai fait bâtir quand je suis venu piller. Je veux dire visiter les catacombes royales. On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis des lustres. Quoi, des clients ? Squelette qui parle. Mon rêve se réaliserait un jour. Soyez les bienvenus. Comment on fait les salutations de la guilde déjà ? Ah oui. Bienvenue dans le complexe marchand des catacombes royales. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Nous offrons un service de cartographie ainsi que l'entreposage des trésors. Et c'est gratuit. Je peux fabriquer et améliorer toutes sortes de gadgets dans mon atelier. Mais vous devrez fournir les plans vous-même. Oh, et j'achète tout le butin que vous rapportez. Le métal, les pierres précieuses... Mais pas le papier. J'ai une peur bleue des coupures. Choisir un niveau. Entrée A, entrée B. Parce que là, du coup, il y a plusieurs entrées. Ok. Oh, faites-moi signe si vous trouvez mes lunettes. Ok. Et en gros, d'accord, on peut choisir le niveau qu'on va aller voir. Chargement du niveau. Nous aussi dans un nouveau niveau. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. On va en faire quelques minutes, mais j'arriverai pas jusqu'à la fin avec vous. On va voir s'il y a des choses qui diffèrent. Par contre, vous avez vu qu'on peut jouer à deux. Dans les cinématiques, on est deux. Mais le personnage, donc, il peut ne pas être tout seul. Donc, c'est-à-dire... Voilà, si on met une deuxième manette, on serait deux à choper. Donc, j'imagine que les difficultés, peut-être, seraient... seraient différentes. Putain, c'est dur à passer quoi, il y a des endroits. Sans déconner. RT plus LB. Ouais, comment il s'est passé quoi là? Mais ta sœur, reviens là. Putain. D'accord, ça permet de le choper plus facilement. Heureusement qu'il y a ça, parce que putain, quel bordel.
cette force qu'elle a, la nana. Assurance. Ah non. Ah, c'est plus pratique de faire comme ça, effectivement. Et hop là. Regardez tout ce qu'on peut choper là-haut. Alors là, il faudrait être deux par contre. Ah ouais, on est obligé d'être deux. Sinon, ça marche pas. Mais il y a tellement de trucs à visiter. Quel gros bordel. Allez, viens avec moi un petit cupi. Ok, donc là on est revenu là où j'étais tout à l'heure. Bon allez, on est parti, on repousse le chariot. Et hop. Quand même. Yo, pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ah oui, on peut pas passer en dessous forcément, donc faut passer par là. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Par contre, il y a un truc là. Ah merde, je peux pas passer ici, je suis avec le chariot. Allez, le chariot. Non, non, viens là. Viens là, fils de con. Yo, lo, le chariot. Je kiffe ce jeu. Il est trop bien. C'est par là, ça va plus vite. YOLO. Alors, il y a un truc caché ici. On va aller voir. Putain, le pauvre roi, quoi. Comment on le balance dans tous les sens, le truc. Le mec, c'est pas un cercueil, c'est un... Putain, faut être deux, là, aussi. C'est sérieux? Le jeu m'oblige à être deux? Pour aller choper celui-là, là-haut, en fait, faut aller le choper des deux côtés. Crâne ici. Un deuxième crâne et ça enregistre automatiquement. Est-ce que vous croyez que je peux l'avoir depuis ici? Non! Oh putain, c'est quoi ça? Ok, tranquille. Non, 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 non.
sauvegarde. Et ben je crois qu'on va s'arrêter là. On va y avoir mon point de sauvegarde de tout à l'heure qui est là. On va s'arrêter là, sur cette vidéo, sur Chariot. Là franchement, j'ai pas. Je le dis, c'est une bonne découverte de jeu. C'est vraiment sympa. C'est un principe de jeu qu'on connaît pas forcément. Yop. Je continue à jouer en fait, c'est trop addictif en fait. C'est trop addictif. Si vous commencez à jouer à ce jeu, vous pourrez plus vous arrêter. On a l'impression d'être trop fort dans le jeu en fait, alors qu'en fait on joue juste au jeu en fait. Regardez, ça donne trop envie d'y jouer, on n'est pas d'accord, c'est joli. C'est trop sombre ici. Je déteste l'obscurité. Ça manque de majesté. Sortez-nous d'ici, nous reviendrons avec une lampe. Ah ouais, d'accord, il y a des endroits où je peux même pas aller, quoi. Il y a des endroits où je peux même pas aller. Bon, bah, j'ai bien fait de continuer 2 minutes plus tôt. 2 minutes de plus. Bon, là, je peux pas y aller, faut être 2. Et voilà, on est arrivé à la sortie, je crois. Sortie trouvée. Mais j'ai buffé, voilà, tout de suite, 2 minutes de plus. Donc, on va s'arrêter là pour le chariot. Vous avez trouvé un nouveau plan, visitez la boutique, je ferai un gadget pour vous. Mon rêve s'est réalisé. Vous êtes revenu. Voilà, on va s'arrêter là sur ce jeu, donc sur Chariot. J'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Stage 1. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour suivre justement quand elle sortira. Et puis il parle, je vais. Allez, on vous dit à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et on dit salut.